Vous l'avez compris, que du bon ce soir dans la nuit de la musique belge. Et on attaque tout de suite avec Alison de Roof. Après son passage remarqué en saison 3 de The Voice Belgique, Mademoiselle Dutoit s'est métamorphosée en une artiste incontournable, Alison de Roof. C'est en 2015 que sort Easy Come, Easy Go, son premier single qu'on a tous fredonné. Enregistré aux côtés de Marc Pinilla de Suarez, il deviendra disque d'or, tout comme son premier album, Higher. La suite, on la connaît, en 2018, sortie du deuxième album, et Alison de Roof devient Madame. Cette fois-ci, c'est avec Vianney qu'Alice collabore, et sans surprise, là aussi, le succès est au rendez-vous. Ses tubes sont à son image, aussi légers et colorés, qu'aériens et oniriques, un cocktail déjanté pour l'une des artistes les plus adorées de Belgique. Salut. Tu vas bien? On se fait... C'est le pire check de l'histoire du check. Tu sais quoi? C'est pas grave parce que t'es là pour autre chose. Oui, voilà. Que des checks. C'est pas mon métier, hein, de checker. Ouais, je suis pas venue ici. T'es là pour la musique, oui, évidemment. Oui. Dans un instant, il y a un duo incroyable qui va se faire avec Mentissa, qui est une artiste que tu connais bien. Ouais. On va l'accueillir dans un instant. Avant ça, est-ce que tu peux me dire un petit mot? Tu veux des infos? Tu veux des secrets? On ne saura rien. Ça en reste entre nous. Bon, écoute, de toute façon, je vais dire ce que je pense. C'est-à-dire que Mentissa, c'est juste la meilleure chanteuse que je connaisse et que j'ai eu la chance d'entendre chanter en vrai, et tu vas voir, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors elle vient de l'école Vianney, tu vois, donc elle est plutôt super super super. On connaît, tu voilà, connais voilà. Évidemment. En effet, donc on va l'accueillir dans un instant, Mentissa, mais d'abord on fait un point sur sa carrière. Alison de Roof, ma reine, Mentissa, à 23 ans seulement, Mentissa est la nouvelle sensation pop belge. Elle découvre sa passion pour le chant en regardant la série Glee. Et à 14 ans, elle gagne The Voice Kids en Flandre. 6 ans plus tard, c'est en France qu'elle se fait remarquer en tant que brillante finaliste de la team Vianney. Et c'est avec lui que la jeune artiste belge élabore son premier single, le tube Et Bam, un titre autobiographique à la sincérité désarmante qui s'est imposée comme un classique instantané. En une chanson seulement, Mentissa a conquis sa place au sein d'un club très privé, celui des voix qu'on reconnaît instantanément et qu'on veut écouter inlassablement. Et ça tombe bien, car son premier album, La Vingtaine, vient de sortir. Et voilà! Ça va? Comme promis, elle est là. Attends, on va voir si tu t'en sors mieux au niveau du check, Alice. Check. Ah, oh, voilà, comme ça, check. Voilà, voilà, on voit l'habitude. Je suis très contente de te rencontrer, Mentissa. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se voit. Je vois que tu as déjà une très très belle carrière. On en parlera bien évidemment dans un instant. Vous allez interpréter un titre d'Alice qui s'appelle Mystery Light, qu'on connaît bien, qui est sorti en 2015 sur ton premier album. Pourquoi avoir choisi ce titre à interpréter à deux? Mais c'est parce que c'est une chanson que j'avais encore jamais faite en duo, une première fois. Et franchement, on peut le dire, c'est pour moi un duo de luxe. T'as pour ta touche qui est un truc qui n'existait absolument pas dans cette chanson. C'est-à-dire, c'est vrai, une forme de puissance quand même, tu vois. C'est chouette ça. Moi, je redécouvre le morceau grâce à toi, quoi. Et toi, c'est un morceau que t'aurais pu interpréter en solo? C'est sûr, j'adore la chanter. C'est vraiment une chanson où on prend du plaisir à la chanter. Mmh. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir interpréter cette chanson, en plus avec Alice, qui est voilà, Alison de Roof. J'ai trop de chance. Je suis très, très, très contente. Et je suis sûre qu'on va prendre énormément de plaisir, les filles aussi, à vous écouter ensemble sur cette version acoustique de Mystery Light en exclusivité pour la nuit de la musique belge. Voici Alison de Roof et Mentissa. One day we'll find the feeling alive.
We've been living a lie. Now I can see through your mystery light. One day we'll shine. We've been living a lie. Now I can see through your mystery light. Vous avez mis la barre haute quand même, hein, pour ce joli duo. Merci beaucoup. Alors, ça fait quand même un moment que vous vous connaissez. Ouais. Et puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que vous avez un point commun, qui est une émission vaguement connue à la RTBF qui s'appelle The Voice. Est-ce que pour vous, The Voice, une émission crochet comme ça, c'est un moyen finalement de démarrer dans cette carrière et de devenir une chanteuse professionnelle, connue, qui perce, on va dire? Oui, moi je pense que The Voice c'est un tremplin, voilà. Mais que quand même, quand on participe à ce genre d'émission, il faut quand même pas non plus trop se mettre des illusions et il faut quand même garder la tête froide en se disant c'est possible, tout comme c'est pas possible. Voilà, c'est aussi des rencontres qu'on fait à The Voice. C'est, ça, hein. C'est beaucoup de rencontres et c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, moi je pense que The Voice c'est une aventure. En tout cas, si ça te parle, il faut le faire. Il y a un autre point commun, c'est Vianney. Oui, il y en a beaucoup. Vianney, donc, coach également dans The Voice France et qui a écrit aussi des morceaux pour vous. Alice est malade et Bam pour toi, Menti. C'est comment en fait de bosser avec Vianney? Le pied, enfin, non? C'est simple. Oui, oui. Il a ce ressenti humain très fort et donc il te cerne assez vite. Et je pense que c'est pour ça qu'il y arrive justement à quand il écrit une chanson pour quelqu'un, bah, t'as l'impression que c'est la personne même qui l'a écrite. Certains disent que c'est le nouveau Goldman. Carrément. Les rumeurs. Oui. Alors, Alice, tu m'as demandé que fait ce klaxon? Oui, ben oui. Eh ben voilà, c'est pour toi à la maison. Tu peux le reprendre. C'est vrai. Cadeau, non. ça me fait plaisir. Oh, non, oui. Petit klaxon. Vous allez voir que ça va vous servir. Puisqu'on va faire un quiz. Vianney, pas Vianney. Ah, excellent. Je vous explique. On va passer un extrait d'un morceau. Bon, déjà, il faut deviner l'interprète et le titre. Hein, ça, c'est le petit bonus. Mais surtout, savoir si Vianney est derrière ce tube ou pas. D'où le Vianney, pas Vianney. Premier extrait. J'adore la country, mais là... Au pied d'une montagne, je me suis... Ah oui, ok, donc... Ok. On arrête. L'interprète et le titre ou juste l'interprète? Allez. Céline Dion. Oui. Ah, quand même. C'est Céline Dion, Ma Force. Ok, Ma Force. Est-ce que Vianney ou pas Vianney? Est-ce que Vianney est derrière ou pas? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça ressemble à Céline. Et pourtant. Si, c'est vrai. Bah, je sais qu'il a composé pour Céline Dion. Ah. Mais est-ce que c'est ce titre-là, tu crois? Ma Force. Tu as entendu le début, une petite guitare. Alors, poète. Donc Vianney, alors. Réponse commune. Ouais. C'est là qu'on voit les bonnes copines. En fait, vous êtes censées être l'une contre l'autre, mais c'est pas grave. Et donc, c'est Vianney, en effet, bien vu, Alice. Oui. En effet, donc Vianney qui a composé ce morceau donc de Céline Dion, Ma Force. Bien vu, vraiment bien vu. Juste avec un petit bout de guitare, en plus, franchement. Ça, c'est Vianney. Hein. Vianney et sa guitare, il fait beaucoup de magie. Hein. C'est ça. Bon, est-ce qu'on est prête pour le deuxième extrait? Oui. Allez, c'est parti. C'est Matt Pokora qui on est et ça n'a pas été écrit par Vianney. Mais alors là, je connais franchement, ce que j'aime bien, c'est pour ça. Je sais que c'est pas Vianney. Alors là, j'ai senti l'assurance. Tu sors avec Matt Pokora ou quoi? C'est mon pote, Matt, c'est pour ça. On s'est appelé hier soir. Eh ben, écoute, totalement juste. Donc, Matt Pokora qui on est, qui n'a pas été écrit par Vianney. Elle est écrite par Corneille. Voilà, Matt Pokora, Mathieu Mendes et Frédéric Château derrière ce morceau. J'adore cette chanson. Bravo, Mentissa, pour cette réponse claire, nette, précise et assurée. Dernier extrait, on y va. Oh,
Thomas le police. J'étais un père, un mari, un homme aimé. Je reconnais la voix. Jamais d'hiver dans ma vie que des... Oui, 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 je reconnais sa voix, bien sûr. Il y a un point commun avec vous. Attends, je sais qui c'est, je buzz. Alice. Je pouette. C'est Black M. Ouais. Ah, j'avais pas du tout. Et le titre, tu vas nous le donner. Je connais pas du tout. Je connais pas Ainsi... du tout. Ainsi... Soit-il. Ainsi va la vie. Valse la vie. Ah voilà. Oui, ok, ok. Ainsi valse la vie. La question, c'est est-ce que Vianney est derrière ou pas. Ainsi valse la vie, ouais. C'est un beau jeu de mots. J'étais c'est du Vianney. Bien joué, Alice. Exactement. Donc c'est Vianney derrière ce morceau de Black M. Et donc Black M qui est coach également dans The Voice. Oui. Donc, qui est on l'embrasse, on l'adore. On l'adore. Mintit a sorti un album ouais. En novembre, ouais. Qui s'appelle La Vingtaine. Moi, je suis un bébé à côté d'Alice. Oui, moi, je débute. Mais... Il est magnifique. Tu débutes, mais tu débutes super bien parce que les critiques sont excellentes, le public aussi est au rendez-vous. Ça te fait quoi, justement, aussi jeune, d'avoir un succès aussi vite? Ça te met justement la pression ou pas du tout? Ça dépend des jours. Je pense qu'il y a des jours, oui, où ça me met la pression parce que on a juste envie de bien faire. Voilà, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans la vie de tous les jours et j'ai envie de rendre fière toutes les personnes qui bossent tous les jours très dur pour moi. C'est ça aussi, c'est qu'en fait... Il y a les équipes aussi. Voilà, il y a les équipes, il y a quand même un producteur qui te fait confiance et qui te dit allez hop, on commence cette aventure ensemble. Il y a Vianney aussi qui m'a tellement beaucoup aidée et moi c'est surtout ça, c'est en fait j'ai toujours envie d'être à la hauteur pour rendre tout le monde fier et ma maman aussi. Donc c'est surtout ça qui fait que je me mets parfois la pression et puis en fait j'apprends petit à petit, c'est pas facile, mais de lâcher prise et si ça marche ou ça marche pas, c'est pas vraiment de notre sort. Aujourd'hui il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire pourquoi un tel artiste a marché et l'autre pas, pourquoi ce morceau a marché et l'autre pas. Il n'y a pas de recette, moi, je pense. Ouais, et je veux quand même préciser aussi, parce qu'on parlait de The Voice, tu as quand même fait 3 émissions différentes. Tu es une grosse bosseuse aussi. Hein. Donc, il y a de la chance, il y a d'être là au bon moment, bon endroit, mais il y a aussi le travail. Et ça, il faut quand même le préciser aussi en tant qu'artiste. C'est super important. Je pense aussi que tu prépares pas mal de dates de concerts. Il y en a une c'est aussi ça. À la Madeleine, oui. Le 13 avril, qui est une salle mythique. Ça va, t'as préparé ça déjà, le show? Pas du tout. La résidence arrive. Okay. Donc, on va justement préparer le show, tout ça. Mm-hmm. C'est vrai que j'appréhende un peu parce qu'en fait, j'ai envie de vraiment... Moi, je trouve ça hyper important. Les gens payent pour venir te voir. Mm-hmm. C'est pas gratuit, un concert. Et j'ai vraiment envie que les gens regrettent pas et qu'ils sortent du concert en se disant oh, on a passé un bon moment. En fait, on a voyager tout au long du concert. C'est ça que j'ai envie de créer. Mais pour ça, il faut bosser, quoi. Il faut créer tout un univers. Et j'ai hâte et en même temps, j'ai peur de me dire, bon, est-ce que je vais réussir, voilà, justement, à faire voyager les gens. Bon, en tout cas, on a hâte encore de vous voir sur scène. Bien évidemment, ça arrive tout bientôt. On peut vous écouter également en radio sur Vivacité, une radio qui vous soutient depuis le début à la RTBF. J'ai encore une dernière question. Charcot, ça vous dit quelque chose ? Alice. J'en ai entendu parler beaucoup par une amie qui s'appelle Valentine Brognon qui a fait notre école, qui a gagné l'émission The Voice il y a tout quelques années. Ouais. Et ils ont travaillé ensemble et elle l'adore. Donc voilà, j'en sais pas plus.